This is Raycon Motorcycle Madness. Get ready to ride. Alors, salut tout le monde, ici Alex Tech & Gaming. On se retrouve sur une nouvelle vidéo d'une rétrocompatibilité d'Xbox 360 sur Xbox One. Donc oui, je joue sur la Xbox One à Trial HD. Je sais pas si on changeait le jeu. Tournoi, ouais, ok. Trial, qu'est-ce que c'est que Trial HD? Ben, Trial HD, comme que vous pouvez peut-être bien le savoir, c'est... un jeu... Ah ben mes médailles ont resté là, cool. Un jeu de motocross 2D, 2.5D je dirais plutôt. Parce qu'on a la profondeur du jeu, mais c'est plutôt 2D comme. C'est fait par Ubisoft. Ça a été créé pour être sur la Xbox 360. Mais ça a été rétrocompatibilité, ça a été rétrocompatible sur la One. Et... d'après ce que je peux voir, on a nos médailles en or. je l'avais déjà sur la Xbox 360, donc j'ai pu tout revoir, toutes mes sauvegardes que j'avais. Ça c'est intéressant. Même... ah ben tiens, celui-là, je l'ai en argent, donc on va le faire tout de suite. Oh boy, les motos. On va prendre... on va prendre celle-là ici. Ok, donc, je vais pas vous expliquer en gros... oh boy, ça c'est fort, ok. Je vais pas vous expliquer en gros... oups, je me rappelle plus des pitons. Ok. Je vais pas vous expliquer en gros c'est quoi le jeu et tout, là. Vous connaissez un peu les Trial. C'est juste vraiment pour faire du gameplay. Pour les ceux qui connaissent pas Trial, c'est un jeu de Ubisoft moto, parcours. Sur Xbox One, le jeu officiel qui est Next Gen, si je présente ça comme ça, c'est Trial Fusion, qui peut se jouer multijoueur. Trial HD, ça c'est le premier Trial qui a été sorti sur console Xbox et PlayStation. Et comme vous pouvez le voir, c'est plusieurs parcours. Et il y en a qui sont assez compliqués, comme là je viens de me planter. Donc ça, qu'est-ce que j'aime de ce jeu-là, c'est que c'est pas un jeu où est-ce que on se tanne. C'est toujours un jeu où est-ce que tout le temps, c'est tout le temps des scores à essayer de battre. C'est tout le temps, il y a tout le temps quelque chose à faire dans ce jeu-là. Même si on fait la piste plusieurs fois, comme 20 fois d'affilée, ça dérange pas. C'est toujours différent à chaque fois que vous essayez la piste. Là, je me suis... ok, je pense que je vais recommencer parce que sérieusement, j'arrêtais pas de me planter. Donc, je vais essayer de vous faire un gameplay style semi-pro. Ok. Parce que je vous le dis, j'ai risque de me planter souvent. Il y a une piste. Il faudrait que je la refasse. Oh merde. Il y a une piste que je faisais dans ce jeu-là. Que je la connaissais par cœur tellement que je la faisais souvent, mais elle était easy aussi. Aussi, en parlant de easy. ce jeu-là, qu'est-ce qui est agréable, c'est que à mesure que vous avancez dans... il n'y a pas vraiment de mode histoire du jeu, c'est plutôt des parcours, puis à mesure d'avancer dans le jeu, vous avez des parcours de plus en plus difficiles à chaque fois. Donc là, j'arrête pas de me planter, sérieusement. Je pense que je vais essayer une dernière fois, puis ensuite, si je suis pas capable de la faire, je vais aller essayer de trouver l'autre que je faisais par cœur. Mais vu que ça fait des années que j'ai pas joué à ça. Des années. C'est juste que ça fait longtemps que j'ai pas mis les pieds dans Trial. C'est tout. Même Trial Fusion. Oh boy. Même Trial Fusion, je l'ai sur Xbox One et j'y joue même pas. Puis mentionnez-le dans les commentaires si vous voulez des vidéos sur Trial Fusion. Je sais que ça fait longtemps qu'il est sorti. Tout le monde a déjà vu la gueule du jeu, mais si vous voulez avoir des vidéos faites par moi, soit multijoueur avec mes amis ou peu importe. Faites-moi le signe dans les commentaires, je vais vous en faire, ça c'est pas un problème.
Je vous invite aussi à aller voir, parce que la vidéo va être uploadée presque en même temps. Je vous invite aussi à aller voir ma vidéo sur mon live. En fait, je vous invite à aller voir mon live directement, The Division. J'ai tous mes liens dans la description et ça risque aussi de popper un espèce de lien dans la vidéo pour aller voir ma diffusion sur The Division. Je risque de diffuser toute la journée, surtout que je vais être tout seul chez moi, donc internet à moi tout seul, donc ça va être super le fun. C'est sûr que au niveau de la qualité vidéo, j'ai pas le choix de me mettre en 4x3 comme qu'on appelle. Parce que justement ma connexion me permet que 4x3. Non, en fait c'est juste que le format est beaucoup plus petit, donc beaucoup plus léger à se porter. Donc c'est la seule qualité maximum que je peux vous offrir, mais quand même, j'ai hâte d'y jouer, j'ai hâte de l'essayer. J'ai jamais joué. Je me suis inscrit pour la bêta fermée, mais j'ai pas pu y accéder. Donc vu que la bêta est ouverte à tous demain, ben je vais y jouer. Je vais l'essayer. Demain que la vidéo va sûrement être uploadée pour justement demain qui est aujourd'hui. Oh oh oh! Ça fait longtemps que je suis comme pogné à la même place depuis tantôt, donc ça fait du bien de changer de décor un petit peu. On va essayer de faire ça clean top. Ah non, ok, celle-là je la manque tout le temps. Non, je vais pas faire ça, merde. Puis aussi dans Trial Fusion, pas dans Trial Fusion mais dans Trial HD, comme dans toutes les Trials d'Ubisoft, vous avez des checkpoints, comme vous voyez là, un drapeau ici, checkpoint, et voilà, je viens de le passer. Donc je peux essayer de m'avancer jusqu'à l'autre checkpoint. Si je me plante, ok, comme là je me suis planté, je fais B, je reviens au checkpoint. Mais par contre, ça fait un checkpoint de dans le fond, ça fait une erreur, ok? Une erreur, si c'est le gros numéro en haut. Dans Trial HD, je sais que les erreurs étaient quand même assez importantes au niveau du score et au niveau des médailles. Je sais que dans les autres Trials, c'est un petit peu moins important. Mais c'est ça, ça paraît sur votre score, ça paraît sur votre timing, sur votre... sur vos médailles. Ok, là, je vais essayer un autre, parce que celle-là, je commence à être tanné. Qu'est-ce que j'essaie? C'était quel don? C'était-tu dans celui-là? Je me rappelle plus. Non, c'était pas ça, c'était pas ça. Il y en a une, là, je faisais par cœur. Je pense que c'est celle-là. Ouais, je pense que c'est... Ouais, c'est en plein, celle-là. Je vais l'essayer avec... celle-là ici. Oh ouais, c'était drette celle-là. Je la faisais par cœur sur la 360. Oh ouais, je me rappelle. Oh que oui, de vieux souvenirs. Oh ouais. Oh oui. Je la faisais vraiment par cœur. Je la connaissais. Oh. La seule chose, c'est que je me plantais tout le temps ici. Ok, c'est good. Puis c'est justement ma préférée de Trial. Oh non, merde. Crash. Je vais essayer de la faire sans me planter, ok? Donc je vais tout le temps recommencer au début, mais je vais essayer de la faire sans me planter. Genre, je l'ai déjà fait un coup, vraiment à perfection. J'ai même battu mon record plusieurs fois dans cette piste-là à force de la faire. Donc je vais essayer de faire quelque chose d'assez clean. Non, la moto, elle n'est pas assez forte. Non, ok. On recommence ça, parfait, oui. Je sais que sur Trial HD, non c'est vrai, c'est sur les autres Trials, on avait une espèce de fantôme qui nous suivait. Mais là, dans celui-là, vu que c'est comme leur premier Trial, là je me suis vraiment planté solide. Vu que c'est dans leur Trial, dans le premier Trial je veux dire, dans le fond on peut battre nos amis, ok, on peut battre nos records entre amis. C'est-à-dire que le jeu prend automatiquement... le score des amis, comme en haut, j'ai SammyBoy2398, ça c'est un de mes friends dans ma friend list. Il choisit des gamer tags aléatoires, le jeu, puis on peut battre nos amis. C'est quand même assez le fun, quand même assez agréable comme challenge, on veut. Ah, puis ça change automatiquement, ça c'est vrai, je me rappelais plus de ça. Ça change automatiquement, je pensais que ça changeait à chaque fois qu'on recommençait, comme à chaque fois qu'on respawnait, si je peux dire. Mais non, ça change automatiquement. Oh, ça, je me plantais tout le temps. Oh, ok, c'est good. Je l'ai eu.
allez. Oh oui, deuxième étage, ça c'est good, c'est good. Allez, go. Oui. Oh oui. Pas trop, oui, comme ça. Ça, ça va être parfait. Oui. Oui, j'ai fini. Ok. Ok, j'ai regardé les médailles. J'ai un de mes amis qui me disait qu'il y avait comme une espèce de médaille platine, mais d'après moi, c'est pas dans ces défis-là. Puis dans ce jeu-là, à chaque difficulté, on a des didacticiels. J'ai de la misère à le dire. On a des didacticiels. Dans le fond, ça explique en gros comment jouer. difficile. Je vais y aller à extrême. Je vais m'essayer. Vous voyez, j'ai jamais rien fait dans extrême. Bon, on va essayer avec la première. Je vous le dis, ça risque d'être rushant. Donc, c'est ce qui est le fun avec ce jeu-là, c'est que. Même si, admettons, vous êtes normalement genre super bon dans les jeux vidéo et tout, dans ce jeu-là, c'est impossible de faire toutes les... À moins que vous êtes vraiment genre extrêmement bon, là, mais tout le monde réussit à avoir de la misère. Ok, là, ça commence à être... Mais non, c'est pas ça que je veux faire. Bon, c'est ça que je veux faire. Bon, comme ça, je le savais, Donc, deux checkpoints de repris, non merde. 3, si je dépasse 5, je vais recommencer au complet la piste. Ah non merde. Donc ça, c'est pas une nouveauté comme jeu, c'est juste une rétro-compatible qui est super plaisant à voir sur Xbox One. Oh oui, yeah, j'ai plus de checkpoint. Non! Ah, c'est dur! Ah, celle-là, là, change, je vais le rusher. Non, faut pas que j'aille trop vite. Non, merde. C'est vrai, j'avais dit qu'à 5, j'allais recommencer. Merde. Non, merde. La moto est comme trop légère, ou est comme trop vite. Un des deux, ou c'est peut-être les deux. Ah oui. Non, ah, merde. Aussi dans ce jeu-là, j'ai jamais su à quoi vraiment ça servait cette espèce de bouton-là. Mais on peut tout simplement faire reject. Bon, je vais aller vous montrer les autres modes, parce que dans le jeu, il y a les difficultés ici, ok, les espèces de parcours, mais il y a aussi des tournois. Les tournois, c'est plusieurs défis que vous pouvez faire, comme celui-là, c'est... rejoins la coupe triale locale et prouve à les amis, ouais. Mais c'est quoi? Je me rappelle plus. Je vais aller l'essayer, on va voir. Est-ce que j'ai plusieurs... Non, ok. Ok, donc, je me rappelle vraiment plus à quoi m'attendre là-dessus. C'est juste un parcours. Parce que dans ce jeu-là, c'est ça qui est agréable, c'est que t'as des espèces de tournois où est-ce qu'il faut absolument que tu t'éjectes, admettons, ou avoir des skis sur les pieds, puis là, il faut que tu essaies de toffer le plus longtemps possible sur des skis, ou je sais pas quoi. En tout cas, je vais essayer de tout vous montrer les petits tournois qu'il y a dans ce jeu-là. Vous allez voir, c'est quand même assez fun. Ok, c'est juste ça. Bon, ok, je vais continuer. Ah oui, celui-là. Oh oui, je me rappelle de celui-là. C'était pas le plus dur, mais quand même, c'était assez facile de se faire attraper dans les petites rampes. Comme là, j'aurais pu facilement me faire descendre si j'aurais pas pointé. Wouah! Ok. Ok. Parfait, je l'ai eu d'un coup. Ok, celui-là, c'était vraiment facile, ce tournoi-là. Wow! Ok. Oui. Puis aussi, tandis que j'y pense,
The Division, je vais regarder voir. D'après moi, la bêta va être aussi ouverte sur PC. Je vais essayer de voir si je peux. Si je peux aller chercher la bêta sur PC et. L'essayer. Peut-être. Ouais. Là, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Je vais essayer ça, bon. Donc, si je peux jouer sur PC à The Division, je vais peut-être pas stream sur The Division PC, mais je vais plutôt faire une vidéo tout simplement console PC. Je vais essayer d'aller voir ça, si je peux le télécharger. Et vu que c'est Ubisoft, j'allais voir sur Uplay, voir si la bêta est disponible. Ok, c'est juste ça. Waouh. Ici celle-là, voir. Ah oui, c'est vrai, celui-là, je me rappelle. Ça fait pas, je sais pas combien de temps ça fait que je suis sur la vidéo, là, mais en tout cas, je vais essayer de pas trop faire une trop longue vidéo. Mettons. Oui. Non, 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 non. Ah merde. Non. Je m'étais planté solide. Oui. Bon, ok, donc ceci était une petite vidéo sur Trial HD. J'allais dire Trial Fusion, mais non, c'est Trial HD. Dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Sur ce, j'espère de vous revoir sur d'autres vidéos. Je vais vous revoir sur d'autres vidéos. Sur ce, c'est Alex Tekken Gaming. Oubliez pas de venir voir ma diffusion si vous êtes intéressé. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, mettez des commentaires, mettez des pouces. Et on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!